des histoires, au pluriel et sans majuscule. L'amour est perdu et tant pis s'il nous dévasse. L'amitié aux dévotés comme les mousquetaires et tant pis si une trahison nous tire dans le dos. Car il y aura toujours des traîtres, des salauds, des vénaux, des larges et des cons. Car toujours ou presque l'imposture parviendra à ses fins. Alors autant prendre son parti et jouir immodérément, inconsidérément. Du soleil qui brûle, de la pluie qui gifle, des pleins étés où les apéros s'éternisent, et de ces nuits d'hiver où le vent hurle derrière les carreaux. Alors autant partir sur les petites routes de France, dans une vieille deux chevaux, sympa et désinvolte, un volant dans les mains, et le vent de la liberté dans le dos. Alors autant partir sur les petites routes de France, à la santé des conquérants, et surtout vivre sa vie comme un jeu, comme des noces sans contrat, notariés du tragique et du comique. Advienne que pourra, on se sera bien amusé. Et c'est pour ça que l'on reçoit ce soir Denis Tignac. Bonsoir. Bonsoir. Denis Tignac, nous sommes ravis de vous recevoir dans cette émission des Clochards Célestes. Alors, tout d'abord, une première question. Votre dernier livre s'appelle « Il, elle, éloge de l'éternel féminin ». Mais quand on lit le dictionnaire amoureux de la France, on pourrait se dire que la femme de votre vie, c'est la France. Oui, c'était le cas de De Gaulle, qui l'identifiait carrément à la Vierge. La Madone aux fresques des murs, c'est le prologue des mémoires de guerre. La France, c'est pas hasard si France est aussi un prénom féminin. Oui. Oui, la France est une femme. C'est souvent une mater de Rosa dans l'histoire, parce qu'elle en a beaucoup bavé. Mais bon, je l'aime comme elle est, sublime. Et alors quand vous en parlez, vous écrivez, je vous cite, « La France, je l'aime corps et bien, en amoureux transi, en amant comblé. Je la chimérise, je l'idéalise, mais ses plaintes et ses déliés m'inspirent des désirs terre à terre. » Oui, il y a les deux versants. Hein. Il y a la France en tant qu'elle a très tôt prétendu à une mission un peu universelle. Bon, ça a commencé avec les croisades. Hein. La première croisade est prêchée à Clermont-Ferrand, la deuxième par Saint-Bernard à Vézelay. Il y avait le roi de France d'ailleurs. Plus tard, le grand siècle aura propagé la culture française dans tout le monde civilisé, entre guillemets. Les Lumières, la Révolution française, le romantisme français. Bon, bref, la France a toujours eu le sentiment ou l'illusion qu'elle avait quelque chose à apporter au monde. Ça, c'est le versant idéaliste, si on veut. Et puis, moi, j'aime aussi la France au jour le jour, dans sa chair, dans sa texture, les sourires de ses paysages, les clochers romans qui s'aperçoivent au détour d'une départementale bordée de platanes, où on voit des vignes ou des pâturages alentour. Et bon, c'est une France gourmande, rablaisienne. Et voilà, bon, ben, entre les deux, il y a comme ça, effectivement, une balade enchantée que j'ai jamais pris la même route pour aller d'un point à un autre en France. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et d'enchanteur. Ah ben, on va parler justement, d'ailleurs, après, des routes chez Denis Tignac, parce que le voyage en voiture sur les petites routes de France est quand même un des thèmes essentiels de votre œuvre. Vous avez des pages magnifiques sur la deux chevaux. Ce que vous dites, la déesse, elle était adulte, mariée, installée, la coccinelle était formatée, raisonnable, la MG, elle était snob et friquée, mais votre voiture, c'était la deux chevaux. Ah oui, enfin, il y a eu le Solex et puis les mobilettes quand même. On n'est pas tout de suite passé à la deux chevaux. Des étapes. Oui, c'est vrai, la deux chevaux, c'était pas une bagnole, c'était une compagne. Mm-hmm. C'était la copine d'une jeunesse quand même un peu insouciante. Il n'y a pas de chômage. Moi, j'ai jamais fait des études pour accéder à un métier et gagner ma vie. Je crois qu'il a fallu attendre 25 ans pour que mon père, gêné, le pauvre homme, laisse entendre qu'à mon âge, il y en avait des gars qui gagnaient leur vie. C'est comme si c'était mis nu sur la table. J'ai été très choqué. Ils me disent des choses aussi horribles. Alors, je me suis dit, je ne lui demanderai un rond, ce que j'ai fait. À partir du moment où il a dit ça. J'ai même travaillé, ce pourquoi je n'étais pas très fait. Enfin, je l'ai fait quand même. Bon. Oui, oui. Alors la deux chevaux, bon, ben, c'est toutes mes balades. Puis c'était... ça ne ressemblait pas à une voiture. Sa petite tête de... Pourquoi une petite grenouille comme ça. Bon, on allait essayer. Alors c'était... Par contre, il y avait
un changement de vitesse comme ça qui coupait la voiture en deux, qui rendait les flirts extrêmement incommodes. Ah. Je pourrais pas en user aujourd'hui parce qu'à mon âge, il y a toujours un peu d'arthrose cervicale. Et donc, pourtant, vous disiez, elle était sympa et désinvolte, qu'elle ressemblait aux filles qui me plaisaient. Un peu. Un peu, mais bon. Alors, il y a une chose, après avoir lu tous les livres de Denis Tignac, il y a une chose qu'on devrait tous faire, c'est faire un voyage sur les routes de France. Parce que vos livres, de À la santé des conquérants ou Le dictionnaire amoureux de la France, tous incitent à partir sur les petites routes, et notamment à partir sur les vestiges de la Nationale 7. Oui, la Nationale 7, c'était il y a toujours la tentation du Sud. Mmh. Le Sud, c'est à la fois la perdition, et puis comme ça, c'est l'oubli de soi dans le soleil, dans la nature, enfin, tout ce panthéisme à la Giono, on a tous été captifs. Et la Nationale 7 en était le symbole. Bon, elle partait de Villejuif. Du Kremlin-Bicêtre. Et on connaît, et Charles Trenet l'a chanté, mais toutes les nationales, je pense les avoir toutes empruntées, et chaque région a laissé dans mon imaginaire comme ça un dépôt, et des fois de 20 ans, 30 ans après, je le découvre et ça fait, et j'y reviens et je l'évoque. Alors, pour autant, franchouillard, j'ai eu l'occasion de bourlinguer pas mal dans ma vie, mais bon, j'ai une tendresse pour... Il n'y a pas un pays qui a des paysages et une architecture aussi variée. Je me rappelle quand j'étais étudiant avec la Deux Chevaux, justement, il m'arrivait de passer la frontière à Givet, en Belgique, au Pont de Kehl, en Allemagne, ou à Hendaye, à Irun, ou à Portbou, en Espagne. Pour le plaisir de re-rentrer en France. Ah. Ouais, ce plaisir de renouer avec quelque chose. C'était des fantasmes. On risquait pas grand-chose en étant chez les Allemands, les Belges ou les Espagnols. J'ai le plaisir d'être chez soi. Et c'est aussi que la Nationale 7 permettait de faire monter le désir, parce qu'avec l'autoroute du soleil, on y est tout de suite. Mais la Nationale 7, on prend son temps. Et puis surtout, de toute façon, avec la deux chevaux, il fallait le prendre. Oui, c'est ça. C'était une nationale, hein. il n'y avait pas l'autoroute. Il y avait pas... Et alors, on s'arrêtait où? C'était quoi les étapes? Alors, les plus âgés, les plus friqués, il y avait des étapes depuis la première à Zamborne. Il y avait l'Espérance à Pouilly, enfin, des bons restaurants, l'Espérance à Pouilly-sur-Loire. Il y avait évidemment Point à Vienne, il y avait Pic à Montélimar, il y avait Napoléon à Montélimar. Enfin, il y avait comme ça des étapes auxquelles un étudiant fauché comme moi n'avait pas accès. Bon, on débrouillait. Mais il y avait, moi, des lieux plus symboliques qui correspondaient à des haltes sont restés en mémoire. J'y suis revenu après pour faire écrire un poème ou pour faire un passage d'un roman. Il y en a plein. Et en plus, qui sont liés à des chansons. Parce qu'il y a notamment de très jolis passages où vous voyez les chansons françaises qui évoquent des flirts sous les ciels étoilés. Souvenir, le marché de Provence... Souvenir. Bon, parce que c'est... Bon, ma génération, c'est quand même la génération du rock. Et le rock, c'est Elvis Presley. Johnny, c'était une déclinaison française. Elle avait sa déclinaison anglaise, c'était Cliff Richard. Elle avait sa déclinaison italienne, c'était Bobby Solo. Une déclinaison allemande, c'était Peter Krause. Mais bon, l'idole absolue, le roi incontesté, c'était Elvis Presley. Je pense qu'étudiant, je pouvais, en m'accompagnant sommairement au piano, chanter de mémoire plus de 100 chansons d'Elvis Presley. Ah oui ? Je les ai oubliées, parce qu'on oublie. Mais vous racontez même que quand vous avez rencontré Johnny, vous lui avez parlé de tous ces tubes oubliés des années 60 que lui-même avait oubliés. J'ai jamais parlé de ça. Ah non ? J'ai dû être indiscret. Son épouse, Laetitia, à l'idée, donc, était étonnée parce que bon, j'évoquais des chansons qui étaient les premières de Johnny. C'était des micro-sillons de 45 tours. C'était dans des pochettes. On se débrouillait parce qu'on en mettait deux dans une, on en payait une. Bon, je devrais pas dire ça, c'était pas très moral.
aussi. Ouais, les flics qui vont arriver. Il faut se méfier maintenant avec le moraline de la Macronie. Là, ils sont quand même redoutables. Mais bon, souvenir, c'est son premier. Mais il avait quoi, 19 ans? C'est son premier grand tube. Bon, ça, tout le monde le connaît, même vous. Souvenir, je vous retrouve dans mon cœur. Vous faites refleurir tous nos rêves de bonheur. Mais même ceux d'avant. Et effectivement, lui, il a eu du mal à se souvenir. Il a chanté tellement de chansons. Et puis, quand c'était pas, il n'y a pas si longtemps, et il n'était pas tout jeune déjà. Et donc, Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que il y a un moment où je m'intéresse à la musique, bon, plutôt classique, avec une prédilection pour le baroque et à l'intérieur du baroque pour Haydn. Mais là, tout ce qui est musique populaire, j'ai arrêté en 67-68. J'ai l'impression que la douceur de vivre en France est morte en 67. Il y avait une espèce de climat plus idéologique déjà dans les facs depuis un an ou deux. Les Beatles allaient se séparer, puis chanter des espèces de trucs chuintants, un peu indien. C'était chiant, alors c'était plus l'allégresse. It's been a hard day's night, I've been walking like a jack. C'était plus ça, c'était des conneries. Johnny chantait si vous allez à San Francisco. Enfin, déjà, il y avait l'idéologie hippie comme ça. Et ben, je me suis bloqué là, tout le reste m'intéresse pas. Vous avez fait vraiment un certain désir, vous mettez, je me sens plus orphelin qu'héritier. Et c'est vraiment le moment où les Beatles se séparent, où les années 60 finissent. C'est un symbole, oui, les années 60, là, il y a une certaine France, bon, elle est sortie du drame algérien, c'est considéré dans le monde, parce qu'il y a De Gaulle quand même, il faut bien le dire, et puis c'est la France empanachée, juvénile, un peu romantique, c'est les percées d'André Bonnet, des frères Boniface, c'est les chevauchées de Jacques Anquetil, le truc, là, qui à la fin de chaque étape du Tour de France buvait sa coupe de champagne, puis dédaigneusement balançait les journalistes, c'est les dribbles de Raymond Coppa, c'est tout ça, c'est la France de ma jeunesse. Alors, j'ai toujours conscience qu'il ne faut pas... construire une conscience politique, par exemple, avec les nostalgies de ces tendres années, parce qu'à ce moment, on devient un vieux con. Mais c'est assez amusant, parce que pourtant, vous racontez votre mai 68, vous en avez déjà parlé, mais où en fait, vous êtes parti sur les routes, les autoroutes étaient désertes, en plus, comme vous aviez les cheveux courts, on vous laissait passer. Dans les amphis, ils dissertaient sur la liberté selon Sartre. Moi, j'en goûtais le sel. Le sel et le vent sur les autoroutes. Je dormais à la belle étoile. C'est très beau. En mai 68. Et donc, il n'y avait plus d'essence. J'avais mon Solex. Imaginez, sur une autoroute à 30 à l'heure. Parce que je suis allé de Bordeaux à Toulon. Puis après, de Toulon, je suis remonté. J'ai remonté toute la Nationale 7 avec le vent dans le dos. Le Mistral dans le nez, ce qui fait que je roulais à 10 à l'heure, il fait un moment. Et il y avait une espèce de sentiment de leur échapper, de les fuir la meute. Et vous aviez poussé jusqu'en Camargue en hommage à un film où Johnny chantait Pour moi la vie va commencer, en revenant dans ce pays. Ouais, c'est ça, pour moi la vie commençait. Bon, alors je l'ai fait recommencer longtemps. La meute, je l'ai toujours fui, à ma façon. Du monde moderne, je crois que je n'aime que ce qu'il permet de le fuir, c'est-à-dire les aéroports, les ports et les gares. Ouais. Et les trains. Vous parlez, il y a beaucoup les trains qui reviennent. Oui. Depuis 27 ans, je pense que presque toutes les semaines, je fais dans les deux sens, le train Brive-la-Gaillarde, Paris-Austerlitz. C'est pas Benoît Duterte qui avait écrit La nostalgie des buffets de gare? Est-ce que vous avez aussi, oui? Il est sensible à ça, mais il est assez sensible à la même France un peu que moi, Duterte. Oui, tout à fait. Bon, ça a été un de nos premiers invités d'ailleurs. Ah bon, vous avez. Sur, par exemple, les symboles de la France. Vous dites, par exemple, Napoléon qui a fait le prix L'Aigle, s'est complètement trompé, et vous voyez le coq vraiment comme l'incarnation du français, avec ce côté de se dresser sur ses ergots. Oui, le coq, le coq gaulois, la Marianne républicaine, l'aigle, un peu. Moi, j'ai pris conscience assez vite, alors, dans l'ordre de la politique, mais plus largement,
On est au septentrion de l'Europe, mais on est un pays de synthèse. On a des Flandres du côté de Saint-Omer, on a une Germanité en Alsace, on a des Catalans, on a des Basques, on a ces fleuves, puis on a ce gros plateau central dont je suis originaire. Et on est un pays, on a fait des synthèses. Notre Renaissance, les châteaux de Loire, ça ressemble pas à la Renaissance italienne. Notre baroque, le Val-de-Grâce, est beaucoup plus mesuré et encadré et cartésien que le baroque espagnol de la Bohème, quoi, à fortiori d'Amérique du Sud. Et donc ce syncrétisme, moi je le vois, je crois par exemple qu'on peut pas avoir une conscience politique française, on peut pas être un vrai patriote français au fond, si on n'est pas trois choses. La nostalgie de l'unité perdue quand les Capétiens, quand la fin de la royauté. Je ne dis pas la nostalgie du régime monarchiste, je ne suis pas du tout monarchiste, la nostalgie de l'unité perdue, incarnée quand même par ces 43, comme disaient d'autres, qui ont fait la France. Hein. Bon. Deuxièmement, la tripe républicaine. Hein, qui va chercher que le français est plus égalitariste que n'importe qui d'autre. Et c'est un égalitariste qui va chercher presque ce fondement dans les communautés des premiers chrétiens, hein, qui voulaient tout partager. Très loin. Puis trois, la grandeur napoléonienne. Hein, je crois qu'un français, je suis bien dans ses pommes, en tout cas pour gouverner ce pays sans risquer le pire, on est sur un trépied, il faut être monarchien, républicain et bonapartiste. Et vous aviez fait un autre trio dans le même style, vous aviez dit c'était la sagesse paysanne, l'altitude aristocratique et le dynamisme bourgeois. Oui, bah si j'ai dit ça, c'est que ça doit être pertinent. Comme dans Tintin, c'est mon opinion et je la partage. On dit souvent que vous êtes un auteur pessimiste, mélancolique. Et ben, vous écrivez, on sait que le faisant, le faiseur triompheront toujours, et au moins on s'enrubanera de panache pour les narguer. La société, c'est quand même en gros les plus malins, les plus fourbes, les plus moralement détestables qui gagnent. En gros, pas toujours, en gros. Hein. Deuxièmement, je pense que on assiste à l'agonie de la civilisation occidentale et à peu près tout ce qui m'émeut, tout ce qui a fait de moi un écrivain, un français, et puis un français tout court, et puis un type heureux de vivre dans ça, de baigner dans cette culture occidentale, judéo-chrétienne, gréco-latine, et énervé par le Moyen-Âge, la Renaissance, l'âge, tout ça est en train de sombrer à une vitesse qui s'accélère. Donc le pessimisme est là. Bon, en tant que catholique, l'espérance est là aussi. Alors la tentation, évidemment, serait de me replier dans ma thébaïde villageoise avec mes livres et dire j'ai assez d'amis dans ma bibliothèque pour ne plus fréquenter un monde qui me désoblige de plus en plus. Mais je me demandais, est-ce que le symbole peut-être de tous vos livres, ça ne serait pas le clocher ? Ce blanc manteau d'église qui a été évoqué quand sont apparus est apparue la floraison des monastères bénédictins, puis cisterciens et leur suite. Oui, bien sûr, il y a le clocher. Quand je me pointe dans un village, je m'arrête, je rentre dans une église, puis après dans le bistrot du coin. En général, je cherche le journal local pour savoir un peu dans quelle division joue l'équipe de foot ou de rugby. Et puis après, je me balade autour. C'est rare qu'il n'y ait pas les restes d'un château. Hein. Et donc, bon, ça, c'est la mémoire. Puis à la France contemporaine, il y a toujours dans un bar une serveuse, et puis souvent qui a envie de causer. Alors on cause et elle me décrit la France d'aujourd'hui qui est malheureuse. Moi j'aime beaucoup la France des profondeurs, la France de la ruralité, des villes moyennes dont il est question. Les technocrates appellent ça avec leur patois abominable les territoires. En définitive, c'est 80% de l'espace français en déshérence. Vous savez, la France, c'est un ressac entre Paris et ses provinces. Hein. Dans les provinces mûrissent des rêves, des ambitions, des espérances. Et puis on monte, essayer de les capitaliser, de les réaliser à Paris. Bon, mais Paris, c'est la plus belle femme du monde, mais c'est une femme souvent frigide, coûteuse, capricieuse, glaciale. Et tout le monde ne devient pas Zidane ou PDG du CAC 40 ou académicien. Alors souvent, comme une mouette blessée, on va se réfugier dans son terroir d'origine et on y redécouvre le bonheur de vivre au quotidien. Vous dites qu'on garde son terrier dans sa musette en guise d'encas. Oui, je dirais que le français a presque toujours une double citoyenneté, quoi.
il est de sa région, de sa province, de sa ville, de son terroir d'origine, puis il est de Paris quand même. Hein. Il y a toujours ce va-et-vient, c'est encore plus vrai dans les pays pauvres comme le mien, où depuis le au Moyen-Âge, on émigre. Il n'y a pas un Corrézien à Paris qui va à l'hôtel. Il va chez une tante, un frère. Vous avez quelque chose contre le mot région? Vous préférez le mot province? Vous dites les régions, c'est une vue de l'esprit, de techno, si on sous-entend que les technos ont de l'esprit. Il leur arrive d'en avoir, et souvent à mauvais escient. Bon, la France a connu des provinces. La constituante l'a départementalisée. Bon, il y a une identité départementale qui est assez forte maintenant. Hein, ça va faire plus de deux siècles, presque deux siècles et demi, qu'on est Nivernais, on est du Calvados, on est de Meurthe-et-Moselle ou du Vaucluse. Et c'est l'espace idéal pour la fameuse proximité. Hein, et on a fait département pour qu'on puisse dans la journée faire l'aller-retour à cheval du point le plus reculé de département à la préfecture. Aujourd'hui, c'est le point de n'importe quel point en bagnole. On peut aller au chef-lieu, s'occuper de ses affaires auprès du pouvoir public, le préfet, du pouvoir démocratique, le président de conseil régional, et puis le soir, aller bouffer au resto, aller au théâtre, aller se divertir, mais rester travailler toute la journée chez lui. Donc les départements ont une raison d'être. Les régions n'ont pas beaucoup, à vrai dire. On a créé ces grandes régions parce qu'on a voulu imiter les Allemands. On dit à l'échelle européenne, il va falloir des Länder, mais on n'est pas des Allemands. Et encore, chez les Allemands, ils ont des numéros, c'est encore pire. L'Allemagne, au début du 19e siècle, il y en a encore 250 ou 300 des Allemagnes. Ça m'amène à une question, parce qu'au début, dans notre cas, vous parliez toujours d'être un auteur dégagé, un peu dans le panache de l'ivresse et de la désinvolture, et au fur et à mesure des années, par exemple, votre dernier livre, on a presque des livres qui, d'une certaine façon, sont engagés quand vous écrivez « Du bonheur d'être réac, l'âme française ». Est-ce que, malgré vous, vous n'êtes pas devenu un petit peu... Jamais appartenu de ma vie à un parti, un syndicat, une secte, une maçonnerie, même du temps. J'ai exercé les fonctions de journaliste local à la Dépêche du Midi. Mon premier employeur, j'avais jamais voulu avoir la carte. Il y a une carte de journée, c'est une fois qu'on exerce métier, on la demande, on l'a de droit. J'ai l'impression d'être encarté un peu comme une pute à Amsterdam, ça me plaisait pas trop. Ça, donc j'ai jamais appartenu à rien. Non, je suis autonome. D'ailleurs, vous avez une phrase assez dure, vous citez Blondin, vous dites quand plus de trois personnes sont assemblées, soit elles forment une corrida, soit elles vont à l'abattoir. Oui. Et même par rapport... Les relations les plus belles, en général, que ce soit de l'ordre de l'amitié ou de l'ordre de l'amour, c'est à deux. Et même par rapport... Là, c'est dangereux. Ouais, les idées mobilisatrices, on pourrait se dire... Ouais. Moi, je préfère celles qui émeuvent à celles qui mobilisent. J'aime pas celles qui mobilisent, parce que je vois déjà des gens marcher au pas de Loire, bramer des slogans, et j'ai horreur de ça. Avec leurs talons. Oui, vous dites, c'est comme les feuilles, elles sont belles au printemps, et à l'automne, elles se déchèchent, elles tombent. Oui, les idées, voilà. Les convictions, quand j'entends un homme politique, des convictions, ça n'a aucun sens. Il y a une fluidité du réel. Faut être fidèle à un serment, faut être fidèle à Dieu si on y croit. Faut essayer. Faut être fidèle à des idées politiques, ça n'a aucun sens. Et c'est comme... D'ailleurs, elles ont... sur le damier partisan, ça a changé au cours des âges. Être libéral au 19e siècle, c'était être de gauche, c'est devenu de droite après la guerre de 14. Être colonialiste, c'est une idéologie de gauche. Un illustre professeur à Sciences Po, que j'ai beaucoup apprécié, Raoul Girardet, l'a très bien démontré dans l'idée coloniale. Les écolos, ça, quoi, ils étaient à Vichy avec Pétain, ils se sont parachetés sur le Larzac dans les années 60 avec José Bové et ses chèvres bio. Oui, ça... C'est, ah, oui. Avec la terre ne ment pas toujours dans le Larzac. Ça vient, les idées. Ouais. Mais alors, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que quand vous donnez une définition de la droite, oui, la droite, c'est la vie comme une aventure et non comme un projet collectif emmitouflé dans une somme de droits acquis, elle se consume plutôt qu'on la consomme. En fait, être de droite, c'est être un mousquetaire. Être de droite, c'est assez compliqué. Il y a 50 ans que j'ai cette étiquette qui me colle le dos et je ne suis pas à l'aise avec. Un homme de droite, entre guillemets, tel que moi, qui serait plutôt l'incroyant du dogme dominant, le mouton noir du troupeau, la folle du régiment, le cancre au fond de la classe. Vous voyez, être de droite, ce n'est pas être homothétique de gauche. Hein, et il y a autant de droite que d'individus qui s'en réclament.
Oui, vous dites, c'est une chevauchée impromptue sur une route dont les horizons se dévoilent à mesure. Oui, c'est ça. Oui, c'est une façon de... Ouais, c'est une façon de prôner, comme durant les années 50, ce qu'on appelait les hussards, les Hanardoites, ce qui prônait le désengagement. C'était Sartre, contre Sartre qui disait, par exemple, que la littérature doit avoir une finalité. Cette finalité, elle est politique. Elle consiste à se mettre du côté du prolétariat pour qu'il accède à son émancipation. Enfin bref, tout le pathos marxisant de l'époque. Bon, il y a des gens qui se sont insurgés contre ça et ils ont raison. Moi, j'ai une conception assez tragique du destin humain, je suis pas sûr que l'âme humaine soit très amendable. Oui, oui. L'homme, cette espèce de singe qui a mal tourné, comme dirait Suran. C'était la phrase de Suran, ouais. Oui, l'homme qui a mal tourné. Alors, on dit toujours que la droite est plus pessimiste que la gauche. Donc, attendre des lendemains qui chantent pour glaner ici ou là le bonheur, on risque d'attendre longtemps, alors autant commencer par glaner le bonheur tout de suite, dans les bas-côtés, justement, des routes sociales et idéologiques. C'est mai 68 qui a fait de moi un homme de droite, voyez-vous, parce que mai 68 reposait sur deux idioties, à mon avis, un credo, l'innocence du désir et la créativité de l'inconscient. Moi, j'ai jamais cru à ça. J'ai jamais aimé leur esthétique, la philosophie de la destruction, l'esthétique comme ça, de la contre-culture. Tout ça m'a rangé à droite. Vous dites que Chirac est une sorte de radical, de social-démocrate, presque de gauche, en fait. Ouais, sur certains aspects, bon, c'est assez... Le style, le physique, le panache, cette mobilité formidable, ce charisme, le ramène à ce que les politologues ont appelé, des gens comme René Raymond, les bonapartistes de droite, le courant bonapartiste. Hein. Il y a un côté Bonaparte au Pont-d'Arcole. Moi, je l'ai vu dans ses campagnes. C'était incroyable. C'était vraiment sabre clair. Bon, à côté de ça, il y a un sens des réalités, il y a un goût du consensus. Chirac préférait convaincre qu'imposer, qu'il leur rapproche du radical socialiste très prégnant dans nos régions du Sud-Ouest. Moi. Aussi, il y a le côté pas aristo, pas grand bourgeois, un petit peu paladin du Moyen-Âge, un peu comme de tiers sur les bords, qui parlait à un ministre ou à une femme de ménage de la même manière. Ça, c'est le seul que j'ai vu. Il parlait sur le même ton à un grand de ce monde et à une secrétaire ou à... une femme de ménage. Et c'était assez incroyable et ça lui a valu des amitiés sans frontières partisanes. Il était. Alors, c'était pas un prolo, bien sûr. C'était pas un bourgeois, c'était pas un aristo. Madame Chirac l'était. Pas lui, pas lui du tout. C'était une espèce de condottière de la Renaissance ou un capitaine de compagnie. Ça veut dire un malatesta, mais un malatesta qui n'aurait pas eu le goût du sang. Vous voyez, c'était quelque chose comme ça, c'était un chef de bande, quoi. Et on avait envie de le suivre parce que c'était lui. Je me rappelle souvent, j'allais à l'Élysée et je trouvais des collaborateurs qui... Tu sais pas encore le coup qu'il nous a fait cette semaine. Bon, c'est pas grave. On s'y fera parce que c'est lui. D'ailleurs, vous expliquez que finalement, quand il avait fait la polémique du bruit au l'odeur, c'était pas du tout vraiment ses idées, quoi. C'était vraiment l'inverse de tout cela. Du racisme ou d'un côté identitaire. Non, ça, c'est les politiques, il faut savoir. Maintenant, quand je vois les compliments bon, qui ont plu sur Jacques Chirac au lendemain de sa mort, il faut se souvenir que la presse de gauche, je pense à l'Obs, Le Monde, Libé, n'en parlons pas, mais aussi la presse giscardienne, le traitait pratiquement de butor fascisant, d'agité. D'ailleurs, une des missions que je m'étais... qui m'avait attribué, que je m'étais moi-même attribué pendant 94-95, pendant la période de la campagne présidentielle, c'était de le présenter, je lui faisais trois fois par semaine des dîners avec tous les intellos qui comptaient dans Paris, pour leur montrer la bête sur pied, et vous voyez, ça n'a rien à voir à ce que s'imaginer. Mais donc, il a... puis par coquetterie ou par orgueil, bon, vous voulez que je sois un buteur inculte, ben, je vais le louer. Et alors, il disait, je n'aime que la musique militaire et que les bandes dessinées. J'ai jamais vu une bande dessinée de sa vie. Mais pas la musique, c'est vrai, mais pas plus que la musique. Il était. Il était comme. Il avait un jardin secret, il était comme les types un peu exceptionnels. Il était comme les types qui passent pas bien à la télé, il était à tiroirs multiples. Les gens, plus vous passez bien à la télé, plus ça veut dire que vous êtes transparent, inodore, incolore et sans saveur. Hein ouais. On espère passer tous très mal, on va tout éteindre d'ailleurs.
Je vous le souhaite, parce que c'est... Espérons. Mais alors, vous avez une phrase assez amusante sur notamment ce qui sépare la culture de droite de celle de gauche. Et vous dites que la culture de gauche, c'est des maisons de la culture, des colloques, des trucs très chiants, très lourds intellectuellement. Oui, les maisons alors de la culture. Alors que la droite, c'est des cafés, l'érudition, ouais, pas de prise de tête. Oui, effectivement. Bon, ça aussi, c'est un peu générationnel. C'est à partir... Parce qu'en mai 68, c'est des événements relativement anodins. Comme vous avez vu dans mes livres, je les ai traversés en solex sur des autoroutes désertes, ah oui, parce qu'il n'y avait plus d'essence. Tu fuis. Il n'y avait pas d'autre issue que la fuite. Tu pouvais trouver des baratins de tête de Trotskar ou de Mao dans des amphis enfumés, type qui se prenait au sérieux. C'était tout à fait insupportable. Et puis après, arrivait une glose, 68 heures, dans laquelle un certain nombre de pédagogues, même d'intellectuels, vivent encore. Et... je me suis un peu insurgé contre ça, parce que c'était ennuyeux, et puis ça n'a pas donné des résultats bien probants. Et alors, le père, plus tard, c'est devenu le communicant, le personnage clé qu'on trouvait dans un dîner. Ah bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Communicant. Alors maintenant, c'est consultant. Mais longtemps, c'était animateur socio-cul. Alors ça, vous voyez, il avait en général un catogan. On va se suicider maintenant. De gauche, il avait un catogan, il avait des boucles d'oreilles, des petites crêtes un peu vertes, et puis comme ça, il énonçait des lieux communs de la contre-culture. Bon, ça passe un peu, tout passe. Et est-ce que vous pensez que si finalement aujourd'hui de plus en plus de jeunes se désintéressent de la culture des livres, c'est justement parce qu'une certaine gauche a rendu cette culture chiante, lourde, elle n'a pas donné le côté léger que pouvait avoir une certaine culture ? En France, c'est toujours ce millefeuille des classes moyennes qui a fait la culture, le peuple est dans la nécessité. Souvent, longtemps, ça a été un peuple, nos ancêtres, un peuple paysan. Les gars, il fallait bouffer tous les jours, pas trop le temps de s'intéresser à ces choses-là. La haute, bon, elle a toujours tapiné sous les jupons de l'État, et était en général d'une très grande inculture, elle l'est toujours. Et donc, entre les deux, il y a eu un milieu, et ce milieu des classes moyennes, je le vois, je l'observe, comme j'ai été éditeur pendant 17 ans, quand je prends un train, je fais le tour des wagons pour regarder ce que les gens lisent. C'est en deuxième classe que les gens, d'ailleurs, lisent des choses de meilleure qualité littéraire qu'en première, ils lisent des magazines papier glacé ou des produits de grande consommation fabriqués par ces monstres que sont les méga éditeurs. Si vous voulez, là où un livre, pas un livre d'intellectuel, un livre d'un romancier accessible, comme était André Mauroy, Michel Déron, Henri de Monterlans, vendait entre 50 et 100 000, dans cette partie de la bourgeoisie, ben maintenant c'est 10 000. Mais parce qu'il y a un rapport au langage qui est trop élaboré pour les... Pour celui qui était notaire, médecin, pharmacien, qui avait une bibliothèque chez lui, qui recevait la NRF, ou la revue de la Table Ronde, qui lisait le Goncourt de l'année. Bon, ben non, celui-là, il lit plus. D'abord parce qu'il y a une pluralité d'offres dites culturelles qui, c'est pas, il y a un excès d'offres par rapport à la capacité de l'homme de synthétiser ce qu'il arrive, ce qu'il désire, ce qu'on lui vend, ce que la pub lui vend, qui fait qu'il est paumé et inculte et peu vertébré intellectuellement et moralement. Mais bah, c'est vrai, même des auteurs comme Jacques Laurent écrivaient des choses très populaires, par exemple Jacques Laurent sous pseudonyme. Cécile Saint-Laurent. Mais oui, bien sûr. Caroline Chéry. Caroline Chéry, oui. Les structures mentales sont devenues binaires et par définition, la littérature, c'est avec les mêmes mots, les mots de tous les jours, les mots de la vie, construire un autre monde, un autre univers. Alors, je voulais justement qu'on parle aussi d'un autre sujet, c'est la fin de la vie paysanne. Parce que vous expliquez que vous avez vécu, vous avez vu les derniers vestiges, en quelque sorte, de cette vie paysanne. Et vous avez une très jolie expression. Vous dites ce moment où les troupeaux dont le tintement des cloches dans la nuit ponctue le silence sans l'abîmer. À quel moment, à peu près, datez-vous la fin de cette époque, de cette France? Le tintement des cloches, grâce au ciel, je l'ai encore tous les soirs quand je vais me balader autour de ma maison, sur les chemins du village, ainsi que le chant des grillons. Peut-être que plus tard, on leur mettra des beepers ou des... Bah déjà, ils ont des...
Des oreillettes ? Non, mais elles sont baguées pour qu'on puisse les identifier. Ah oui, elles ont des puces. Bon. Alors c'est grave pour les agriculteurs. Ils dépassent dans les statistiques toutes les autres catégories socio-professionnelles en matière de suicide. Ils sont seuls. Parce qu'un agriculteur qui fait par exemple du lait, c'est un fautraire de fois par jour. Moi j'ai un voisin qui se rapproche de la soixantaine, il n'a jamais connu une journée de vacances de sa vie. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas une bonne femme qui va venir avec lui, même s'il a le physique d'Alain Delon à 30 ans. Et les Corréziens ont plutôt le physique d'un deuxième ligne de rugby, c'est ma gueule. Hein, donc ça ne colle pas. Non, je plaisantais, mais qu'à moitié... Vous avez fait un livre sur Roland de Chirac, donc... Oui, non, mais j'aime bien Roland, oui, c'est un bon copain, et puis il n'a pas tous les défauts qu'on lui a prêtés aussi, mais enfin bon, il a été d'une naïveté quand même assez... coupable. Vous lui en avez parlé ? Je ne voulais pas le revoir tant qu'il était président de la République, puisque je le critiquais dans toutes mes chroniques. Je l'ai croisé samedi dernier pour un hommage à Chirac en Corrèze. Et je lui ai dit, maintenant que tu n'es plus rien, entre guillemets, tu vas revenir dîner à la maison et on causera. Et il a dit quoi ? Ben, il m'a dit, bien sûr. Et ça aura lieu. Il va venir. Bien sûr. Alors, qu'il viendra. Non, l'ennemi dont je voulais parler, c'est les maisons de famille. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Maisons de famille. Et vous montrez comment, finalement, la maison de famille... Et l'ennemi total de la modernité, parce qu'elle symbolise la mémoire, cette pourvoyeuse de privilèges. Elle symbolise la transmission. Oui, c'est ça. Dans mon village, quand même, que ce soit des maisons un peu patriciennes, un peu bourgeoises, ou des masures plus modestes, plus populaires, il y a encore entre 70-75% des maisons qui sont dans la famille, qui ont été transmises. Quand ils ont pu. C'est toujours compliqué, une transmission, parce que il faut payer les droits d'un, puis il faut surtout désintéresser le frère ou la sœur qui ne veut pas garder la maison. Mais malgré tout, il y a tout ça. Les Français sont très... C'est un pays de paysans. C'est un pays de laboureurs, je dirais, de bretteurs. Hein, on aime se chamailler. Jules César l'a déjà remarqué. Et de baratineurs. Un pays d'avocats, de poètes, de scribes. Hein, on est ça, les Français. Et donc, on est très attaché, finalement, on est assez profondément conservateur, avec des pulsions réactionnaires presque permanentes et de temps en temps des pulsions révolutionnaires. Ça fait un couple. En tout cas, on n'est pas réformiste. On n'a jamais fait une réforme hors une situation politique exceptionnelle, voire dramatique. Et c'est là qu'on voit, au cours de l'histoire, nos grandes réformes se faire, les bonnes ou les moins bonnes. Souvent, on observe que faire passer des réformes considérées comme de droite, mais c'est plutôt un président de gauche qui est capable de le faire, il le fait digérer un truc, et inversement, c'est Giscard d'Estaing qui a fait passer les trois grandes réformes sociétales que sont la légalisation de l'avortement, le droit de vote à 18 ans et le divorce par consentement mutuel. D'ailleurs, il y a une chose assez amusante sur ça, c'est quand on vous lit, on a l'impression que le seul président vraiment de droite que la France a connu, c'est Mitterrand. Parce que vous dites, il avait le goût des arbres, des camélias, de Venise, du secret, du vouvoiement, de Chardonne, de la sensibilité intimiste, du passéisme. Bref, de droite. Et il a fait l'union de la gauche avec les communistes. Et il a amené, lui qui détestait cette espèce de débraillé de la culture 68 heures, il a amené ma génération et 68 heures au pouvoir. Il a attendu qu'ils aient 30 ans, qu'ils soient un peu revenus de leurs illusions, puis il leur a filé des portefeuilles ministériels, des plans couture extérieurs, des conseils d'administration. Enfin, il les a vénalisés avec une facilité. Il a étranglé les communistes avec le sourire, et puis il a fait deux septennats. Par goût de la perversion, par goût de... Je dirais pas de la perversion. Il citait toujours cette phrase, on ne sort jamais de l'ambiguïté qu'à son détriment. Bon, il était extrêmement ambigu à l'image de l'âme peinte par les écrivains qu'il aimait bien, déchiré. Je pense à François Mauriac, qui a compté beaucoup pour moi aussi. Donc, j'avais sûrement plus d'affinité intellectuelle, enfin pas intellectuelle, littéraire, avec Mitterrand, une relation à la transcendante compliquée aussi. Il était un peu agnostique, mais pas complètement. Puis à la fin de sa vie, il essaie de voir un peu partout qu'est-ce qu'il pouvait trouver qu'il rassurerait un peu, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Bon, tout ça fait que... jamais voté pour lui, bien sûr. Et d'ailleurs, il a dit, je crois, je ne sais plus, à Matzneff, Tignac, j'aime bien son style, mais pas ses idées. Je ne sais pas auxquelles idées il faisait allusion. Oui, parce qu'il était très ami de Matzneff. Oui.
Mais bon, il avait une personnalité intéressante et effectivement, il était très porteur de cette, très amoureux, très gourmand de cette France. Oui, les ânes, les paysages, les parchemins, les roses, les manger les pibales ou les ortolans, tous les jours. La culture gastronomique et littéraire du Sud-Ouest. Tout à fait sincèrement patriote, a cessé de croire à la France en 40. Et alors du coup, il a voulu ou essayé ou fait semblant de croire qu'il aimait toujours la France, mais qu'il aimait la gauche ou qu'il aimait l'Europe. D'ailleurs, c'est assez amusant, Mitterrand, parce qu'il sert à la fois pour des gens d'extrême droite à dire que des gens d'extrême droite ont été résistants, et à la fois pour dire que des socialistes ont été collabos. Ce qui montre toutes les ambiguïtés. Oui, c'est ce qui a perturbé les... J'en ai parlé une fois à Pierre Mauroy qui m'a dit qu'il avait essayé d'apprendre un peu de socialisme à Mitterrand. Mitterrand a fondé le Parti Socialiste, n'était pas socialiste. Oui, oui. C'est comme on le sait, c'est le coup d'État du printemps 1971, le fameux congrès d'Épinay. Il était, je ne me rappelle plus votre question, mais... Il n'y en avait pas. il n'y en avait pas, donc on peut y répondre d'autant plus... Oui, c'est encore mieux que... D'autant plus facilement. Moi, il a... il était au bord des... Mitterrand, il théâtralisait son rôle sur l'histoire. Il a construit un personnage. C'est un personnage stendhalien. C'est un héros d'une pièce de Musset, c'est un Lorenzaccio. Et il s'est défini en référence et contre De Gaulle toute sa vie. Et il y avait qu'un premier rôle dans la première moitié du XXe siècle. Il a été tenu par le général De Gaulle, il n'y en avait pas d'autre. Alors à partir du moment où on a refusé ça... par orgueil ou par aveuglement. Bon, il a une jeunesse de petit cateau de province maurassien, un peu de truc. On le retrouve à Vichy, comme tout le monde, des jeunes un peu ambitieux, avec d'ailleurs le père d'Hubert Védrine, bon, qui joue double jeu, c'est vrai, qui s'occupe des réfugiés, et puis... Il y avait le père d'Hubert Védrine. Oui, en 43, mais c'est pas des collabos non plus. Oui, non, bien sûr, c'est des collabos avant 42. Ils avant. Sont pas collabos non plus. Ils sont ils sont fonctionnaires dans le régime de Vichy qui était de son propre aveu. Il l'a dit, mais une pétaudière. Il y avait de tout. Bon, en 43, on commence à se rendre compte que Hitler perdra la guerre parce que les Américains rentraient et les Russes se rapproche de l'Allemagne. À partir de ce moment-là, il s'abouche avec un réseau de la résistance. Et puis après, il poursuit De Gaulle d'une espèce de vindicte. Bon, il n'a pas rencontré l'histoire. Alors, il y a une phrase assez amusante que j'ai trouvée de Bruno de Cessol dans Le Défi des réfractaires, excellent livre d'ailleurs, sur vous, qui dit que vous préférez l'étendard de l'insurrection à l'esthétique des ruines. Et dites-vous, vous êtes réactionnaire par regret de ne pouvoir être révolutionnaire. Est-ce que vous êtes si d'accord que ça avec Bruno de Cessol? Bon, il dit ça, Bruno. Oui, j'étais assez étonné, d'ailleurs. J'aurais peut-être été comme Chateaubriand. C'était Chateaubriand dit « La révolution m'aurait emporté si elle n'eût pas commencé par des crimes. Je sens un peu ça comme lui. C'était un enfant de Jean-Jacques Rousseau. C'était un enfant de Jean-Jacques, autant que Napoléon, d'ailleurs. Bon, bien sûr, la sombre grandeur de la saga napoléonienne ne m'est pas indifférente. C'est elle qui a fabriqué tout le romantisme français, mais j'irais même toute la littérature moderne. C'est qu'elle qui l'a colorée d'une mélancolie inguérissable. On supportera jamais l'idée de n'être qu'un pays moyen. C'est pour ça qu'on est politiquement si malheureux, si instable. Je ne sais pas, en 1830, sortir ce roi imbécile qui était Charles X, j'aurais probablement été sur les barricades avec Alexandre Dumas, peut-être. Vous pourriez être un peu dans la phrase de Bernanos, les révolutions sont les vacances de la vie, oui. Un peu. Oui, et puis... dans un contexte de désastre, il faut un aventurier, mais un aventurier porteur d'un grand dessein, mais un aventurier fou comme le général de Gaulle, pour arriver à Londres, dire à la France, dire à Churchill, vous pouvez le dire à Roosevelt de ma part, la France c'est moi, ce n'est que moi. Il a
1000 mecs, oui, mecs pas formés, dont les marins de l'île de Sein, qui sont venus, des marlous de Pigalle fourchés par la police, et quelques têtes brûlées, en général célibataires, parce que si vous êtes fonctionnaire, vous avez une femme, des enfants, ben, faut vivre. On reprochait donc, tels que, je sais pas, Pierre Messmer, Christian Fouché, des jeunes. Et vous croyez la phrase de De Gaulle qui aurait dit « il n'y avait que des juifs et des francs-maçons qui m'ont rejoint en 40 » Ben, c'est pas vrai du tout. Je crois pas qu'il ait pu le dire ça. C'était très compliqué parce que parmi les premiers compagnons du général de Gaulle, vous avez Estienne Dorme, Aristo, Elisabeth de Méribel, Geoffroy de Courcelles, Claude Étier de Bois-Lambert, le capitaine à l'époque, Leclerc de Haute-Cloque. Hein, et d'ailleurs, Raymond Aron, qui était à Londres, trouvait qu'il y avait tout ce ramasside, comme il disait, de particules plus ou moins monarchisantes, hein, tout à fait à droite, c'était dangereux, et que De Gaulle pouvait être un nouveau Perron ou un nouveau Caudillo, un nouveau Franco. Et donc, ça a été salutaire pour lui qu'il voit arriver, dès l'été, un type comme René Cassin, juif, de gauche, républicain, président de la plus grande fédération d'anciens combattants de la guerre de 14, mutilé, très raisonnable, légiste de réputation internationale. Bon. Et puis, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Et puis, bon, il a transcendé ces clivages. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on pourrait vous assimiler aux hussards qui étaient anti-gaullistes. Mais finalement, quand on vous lit, vous n'êtes pas du tout hussards, en fait. Ce que vous dites, ils étaient des hédonistes paganisants alors que je suis chrétien. J'ai un bon sens paysan qui m'empêche d'adhérer aux causes perdues. Je suis du côté de la lenteur contre la vitesse des hussards. C'est vrai, oui, il y a le côté... Bon, le côté vitesse, ça, c'est Paul Morand, l'homme pressé. Bon, vous êtes plus de chevaux. Ça va avec l'art déco, c'est son snobisme 1925. Mais c'est un immense écrivain à côté de ça. C'est pas un personnage très moralement très convenable. Beaucoup d'autres, pas tous. Alors effectivement, le hasard de la vie m'a mis à la tête d'une maison d'édition dont les écrivains, qualifiés de Arnard de droite, hussard, se définissaient tous par un anti-gaullisme, parce qu'ils avaient souvent été marqués par Maurras, et donc ils ont eu le sentiment c'est De Gaulle qui a gagné. D'être à 30 ans, tout jeune, déjà recalé de l'histoire. Hein. Et c'était cette amertume qu'ils ont transformée des fois en dandisme, en désinvolture. Bon, il faut les comprendre aussi. Alors, leur cause est perdue. Puis Maurras s'est trop compromis dans le délire que pour que leur cause soit tout à fait avouable. En tout cas, elle est perdue. Bon, alors on va chercher une autre cause perdue. L'Algérie française. Et pour le côté un peu, c'est encore plus beau quand c'est inutile, les causes désespérées sont les plus belles. Ouais, enfin, mais c'était inutile, mais les historiens définiront les responsabilités. Pas mal d'historiens considèrent que le million de pieds noirs qui s'est retrouvé avec sa valoche en carton dans le port de Sète et de Marseille, c'est que l'OAS a au moins une part considérable de responsabilité. Donc, anodin, inutile, mais pas anodin. Oui. Mais d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que vous étiez ami d'Antoine Blondin, qui écrivait à la table ronde. J'ai été le premier à être appelé à son chevet de mort par Françoise, son épouse. Et d'ailleurs, il était sur son lit, il y avait un chat chez lui. Il s'engueulait tout le temps avec sa femme. Il était électrique et le chat courait dans tous les sens parce qu'ils avaient fini par le rendre fou. Et je suis arrivé et ce chat était paisiblement sur le ventre d'Antoine. Le visage d'Antoine était enfin apaisé. C'était probablement le plus doué de tous. Parce qu'il y plus avait, que Nimier. Il y avait une mélancolie profonde qui était la mélancolie de notre siècle. Il savait la peindre. Puis il y avait de la poésie. Puis il y avait un travail subtil d'enfant très doué sur les mots. Oui, plus du unique. Nimier était resté, mais abusé du paradoxe, était resté très parisien. Alors, dire parisianiste. Mais il nous restera toujours sur l'Angélus de Millet, le petit clocher qui ouvre vers l'universel et vers les étoiles. Pour le moment, je l'entends sonner l'Angélus le matin et le soir. Pour le moment, le clocher est là, il y a plus grand monde dans les églises, mais bon... l'église catholique en a vu d'autres. En tout cas, le risque, c'est qu'un maillon manque pour la transmission de ce qu'a été notre civilisation. Et bon,
elle est mal barrée, donc je ne peux pas être optimiste, mais je veux dire, espérons quand même. En tout cas, Denis Tignac, nous étions ravis de cette émission, merci beaucoup. C'est moi qui... À très bientôt, salut et fraternité. C'est bon, ça marche plus. C'est toi qui l'as cassé. C'est un adulte, ouais. C'est toi qui as tout cassé. Non, j'ai entendu quoi, donc je me suis... Toujours un piano à l'époque, dans les maisons, un truc. Alors on me demandait toujours de chanter des trucs ou d'accompagner au piano quelqu'un qui chantait mieux que moi. Et donc je dansais jamais. Donc une fois, quand j'avais fini, 11h du soir, ben, les filles étaient prises. Bon, on se débrouillait quand même. On passe la photo.